Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de réagir par rapport à ce qui se passe en Afrique du Sud actuellement, à savoir les violences que subissent pas mal d'Africains qui font du business là-bas. Et bien dans cette vidéo, je vais te donner ma position. Et je pense qu'elle va surprendre énormément de personnes. Donc reste jusqu'à la fin pour ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais entendre tout ce que j'ai à te dire là-dessus et ensuite me dire ce que toi-même tu en penses. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi, si tu veux participer à cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi et active les notifications pour être informé de l'apparition de chacune de nos vidéos hebdomadaires. La deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors juste petite parenthèse, pour les amis qui n'ont pas encore pris leur place, dépêchez-vous pour la conférence business à Douala le samedi 21 septembre. Il y a encore quelques places de dispo dans la barre de description. Tu cliques sur le lien, tu fais une vidéo qui va te donner le numéro Orange Money sur lequel tu peux faire ton virement pour pouvoir réserver rapidement ta place. Alors je veux parler d'un sujet qui est très triste en fait, et c'est pour ça que si tu veux, je me suis pas forcément précipité à faire une vidéo dessus. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui nous parle tous à cause de Nelson Mandela, mais aussi à cause de son passé. Un pays que nous avons tous soutenu hein, pendant l'apartheid. J'étais encore tout petit, mais c'est un sujet qui a marqué le monde entier, de voir comment est-ce que une minorité blanche dominait, asservissait une grande majorité noire au travers de l'apartheid. On l'a même étudié à l'école dans pas mal de pays africains au travers d'André Brinks. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet auteur-là. Et donc forcément, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est très particulier parce qu'on a aussi suivi l'héroïsme de Nelson Mandela et comment il est arrivé jusqu'à sa libération et à prendre le pouvoir. Et comment dans sa politique, il a tout fait pour dire que l'Afrique du Sud était le pays de tout le monde. Ce n'était pas le pays de quelques-uns et ce n'était pas le pays du rejet, parce que la situation telle qu'elle était, la solution facile aurait été de dire on chasse tous les blancs, on tue tous les blancs. Nelson Mandela a compris que c'était aussi des gens qui faisaient partie du pays, qui contribuaient à enrichir le pays et qu'en réalité, il ne fallait pas les considérer comme des ennemis. L'ennemi, c'était le gouvernement d'apartheid de l'époque et ce système-là qu'il fallait combattre. Alors aujourd'hui, il se trouve que pas mal d'années ont passé, mais le problème revient sous une forme différente. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est plutôt le frère noir qui est en train d'essayer de gagner honnêtement sa vie au travers d'un business, qui est devenu la personne à abattre. Alors, qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que c'est dommage de donner cette image-là de l'Afrique et en plus du pays de Nelson Mandela qui, je le rappelle, a été très soutenu par les Africains pendant les phases où il était dans un moment très difficile. Mais je veux quand même aussi profiter pour dire que ce n'est pas de la xénophobie. Contrairement à ce qu'on peut entendre dans tous les médias, hein, le bashing contre l'Afrique du Sud, ce n'est pas du tout de la xénophobie. La xénophobie, quand tu vas dans un dictionnaire, c'est la haine contre l'étranger. Et en Afrique du Sud aujourd'hui, il y a des Chinois qui font du business, il y a des Grecs qui font du business, il y a des Français, des Allemands, des Hollandais qui font du business là-bas et qui ne sont victimes de rien du tout. En réalité, ceux qui sont aujourd'hui victimes d'attaques, ce sont d'autres frères noirs qui ont décidé d'aller tenter leur chance en Afrique du Sud et qui ont réussi. C'est vers eux que les regards se pointent et c'est vers eux que les violences sont tournées. On n'est donc pas dans un cadre pour moi ici de xénophobie, mais plutôt dans un fratricide, des frères qui se tuent entre eux, ou plutôt des frères qui tuent d'autres frères. Et je veux faire justement une petite parenthèse sur la notion de unité africaine. Vous savez, on est nombreux ici, surtout dans cette chaîne, à croire en l'Afrique comme étant, qui veulent voir l'Afrique comme étant unie. Il faut juste bien comprendre ce que ça implique. L'unité de l'Afrique, d'après les pères fondateurs de l'Union africaine, signifiait que on a une seule langue sur tout le continent. On a une seule monnaie sur tout le continent. Bref, il y avait des éléments comme ça qui faisaient que l'on puisse parler d'unité africaine. Pas le truc que l'on a, on a envie de vouloir fabriquer là maintenant, un peu à l'européenne, comme l'Union européenne dans laquelle tous les pays restent indépendants, avec chacun son dirigeant et sa propre politique, pour dire on a une unité. Non, les pères fondateurs voulaient une unité à l'américaine. Moi, justement, en ce moment, je suis en Amérique du Nord et je me rends bien compte que quand tu es américain, que quelqu'un de New York est très différent de quelqu'un du Texas. Et pourtant, ils sont tous américains. Et je sais qu'il y a quelques petits malins qui aiment bien venir dans certains commentaires des vidéos. Et je veux leur répondre maintenant à dire « Oui, mais arrête de parler de l'Afrique comme si l'Afrique, c'était un pays, l'Afrique, c'est un continent et les réalités à gauche sont différentes des réalités à droite. C'est très méprisant de considérer l'Afrique comme un pays. Tu fais comme tu veux.
D'accord? Parce qu'en parallèle, tu vas être la même personne qui va venir dire que tu crois en l'unité africaine. Il faut savoir que les pères de l'unité africaine ne pensaient pas comme toi. Pour les pères de l'unité africaine, l'Afrique toute entière était considérée comme un pays. Et il faut bien que tu le saches, et je vais te le rappeler si tu l'as oublié, qu'un pays, même dans un même pays, tout n'est pas uniforme. Les gens dans un pays au nord sont parfois différents des gens au sud, qui sont différents de ceux de l'est et de ceux de l'ouest. Être dans un pays ne signifie pas qu'on est tous pareils, qu'on voit tous la vie de la même manière et qu'on a tous la même réalité, c'est faux. Dans beaucoup de pays africains, les gens de la capitale ont des réalités très différentes des gens de l'arrière-pays. Et pourtant, ils sont dans le même pays. Donc oui, je prends sur moi de considérer l'Afrique comme un pays entier parce que c'est comme ça que je vois l'unité africaine, comme les pères fondateurs, Kwame Nkrumah et autres, de l'unité africaine. Donc ce qui se passe pour moi en Afrique du Sud, ce sont des frères qui sont en train de combattre d'autres frères. Alors, pourquoi ça? Parce qu'il y a un gouvernement, je reviens encore là-dessus, on a des dirigeants en Afrique qui sont des génies de Machiavel, des gens qui parviennent à mettre sur pied et à laisser perdurer des situations en fait inimaginables. Comment imaginer aujourd'hui en Afrique du Sud, tu as un gouvernement qui, pour se faire élire, avait clairement tiré sur les commerçants africains qui sont en train de se faire lyncher maintenant, en disant que c'était eux le problème, que parce que ces travailleurs-là bossaient dans des environnements dans lesquels ils n'avaient pas tous des papiers pour pouvoir travailler. Donc, en fait, en réalité, il a ouvert une chasse à l'homme contre les travailleurs africains étrangers, comme les travailleurs en Afrique du Sud qui viennent d'autres pays. Et donc, de fait, il a légitimé les violences qui peuvent aujourd'hui arriver à leur endroit. Moi, je peux pas être ici pour vouloir dire, comme certaines personnes, qu'il faut faire des représailles et commencer à tuer des Africains, des Sud-Africains dans d'autres pays ou ce genre de choses. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Ce n'est pas comme ça que Nelson Mandela les a résolus. Je pense que si tu as des enfants, tu ne peux pas penser que parce qu'un de tes enfants se comporte mal, il faut que les autres aussi fassent de même. Ce n'est pas possible. L'Afrique du Sud, c'est un pays que nous connaissons particulièrement parce que c'est un pays vers lequel, par exemple, je suis allé avec mon épouse en lune de miel. Alors, on avait la possibilité d'aller aux États-Unis, au Canada, en Australie, un peu partout dans le monde, si tu veux. Mais on s'est dit, on va aller en Afrique. Il y a des endroits en Afrique qui sont magnifiques, des pays qui sont juste géniaux. Et on veut aller marquer notre expérience en Afrique. Donc, du coup, on a choisi l'Afrique du Sud. Et c'est un pays qui nous a émerveillés. Là, c'est un pays dans lequel on compte retourner dans quelques semaines d'ici la fin d'année pour pouvoir marquer le coup, puisque la première fois qu'on y est allé ensemble, parce que mon épouse y était déjà allée toute seule, mais la première fois qu'on y est allé ensemble, on n'était que deux. Et quelques années après, aujourd'hui, la famille s'est agrandie, on est quatre, et on a envie de repartir là-bas, déjà pour commémorer notre mariage, mais aussi bien montrer à nos enfants l'endroit où on a finalement vécu nos premières idylles. Mais c'est un pays donc qui est particulier pour nous et c'est un pays que l'on suit assez bien. Et je sais qu'aujourd'hui justement, beaucoup de gens, sans même connaître ce pays-là, sont en train de dire énormément de choses, notamment des médias occidentaux, qui alimentent malheureusement la polémique et qui font qu'on considère les Sud-Africains comme étant des gens juste méchants, ainsi de suite. Il faut revenir dans le contexte. L'Afrique du Sud, c'est un pays dans lequel il y a malheureusement une mentalité d'assistanat très profonde, notamment par les classes populaires, parce que c'est un pays dans lequel on attend énormément de choses de l'État. On attend que l'État puisse régulariser les injustices subies par l'apartheid, on attend que l'État permette aux Noirs de pouvoir s'enrichir, on attend de l'État de pouvoir aider les Noirs, on attend de l'État énormément de choses. Et donc, du coup, dans ce cas de figure-là, bien évidemment, vu qu'on est dans une position attentiste, on a l'impression, quand on voit d'autres personnes bosser, qui en plus ne sont pas du pays, qu'en fait, si les choses ne vont pas bien pour nous, si l'État ne parvient pas à nous aider, puisque c'est ce que l'État a dit d'ailleurs, eh bien c'est à cause d'eux en fait. Donc du coup, on pointe la haine, non pas contre tous les étrangers, mais contre ceux qui seraient à l'origine de notre malheur. Donc bien évidemment, on part là effectivement du principe qu'il y a une fausse analyse, une analyse du moins qui est complètement biaisée, parce que ce n'est pas la réalité. Ceux qui vont en Afrique du Sud pour se battre, parce que c'est un pays qui a énormément d'opportunités et de richesses, ce sont effectivement des Africains, mais pas que. Je le rappelle, il y a énormément d'étrangers qui font leur business en Afrique du Sud et qui s'en sortent très bien. Malheureusement, la situation actuelle est, de mon point de vue, le résultat d'une politique gouvernementale qui est totalement populiste, avec pour but de pouvoir tirer contre à boulet rouge contre les étrangers pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est un peu ce que l'on peut dire en Europe du Front National. Tout le monde voit clair dans le jeu du Front National. Et pourtant, quand la situation se produit en Afrique,
On a l'impression que les Africains sont les plus X, Y, Z, alors que ce qui se fait là-bas se fait aussi dans d'autres pays, en Europe et même aux États-Unis avec Trump. On tire sur les étrangers, on met des murs pour pouvoir les empêcher de rentrer, ainsi de suite, quoi. On est dans la logique de c'est nous qui devons être bien au détriment des autres. Face à cette situation-là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des représailles, mais principalement des représailles pour mettre la pression sur le gouvernement sud-africain. Et pas des représailles contre le peuple sud-africain qui lui-même est, pour beaucoup d'entre eux, il faut lire les médias sud-africains, il faut lire les sites web sud-africains, ils sont archi contre ce qui se passe dans leur pays. C'est une minorité de personnes qui aujourd'hui est en train de salir l'image du pays et une très grande majorité de personnes est archi contre ce qui est en train de se passer. J'ai vu quelques images, c'est révoltant. Franchement, c'est révoltant les images, ça te déchire le cœur de voir des gens qui se font jeter des pierres dessus juste parce que ils sont supposément étrangers en Afrique du Sud. Donc moi je pense que la solution, c'est de mettre la pression sur le gouvernement sud-africain. Et beaucoup ont commencé à le faire, notamment par les États voisins qui ont commencé à dire « Nous, on ne fait plus ci, nous, on ne fait plus ça, tant que cette situation-là ne change pas. » Parce que l'État a les moyens, clairement, de poursuivre les personnes qui ont fait ça, de les arrêter et donc, de fait, d'intimider les autres pour qu'ils arrêtent. L'État ne le fait pas aujourd'hui. On est dans des situations dans lesquelles l'État laisse les choses se dégrader et essaie de temps en temps d'avoir une communication assez « light » pour pouvoir essayer de se maintenir au pouvoir là-dessus. Donc, il faut que les autres pays africains qui, j'espère, auront des dirigeants courageux. Le Nigeria a commencé, la Zambie a commencé, ils mettent la pression. L'équipe du football sud-africaine avait des matchs à jouer contre la Zambie. La Zambie a dit « on ne joue pas avec vous, c'est fini ». L'Afrique du Sud a proposé à Madagascar de prendre le relais. Madagascar a accepté dans un premier temps, puis finalement a dit « non, niet, on ne joue pas avec vous non plus ». Il faut pouvoir isoler ce gouvernement-là pour qu'il réalise que le chemin qu'il est en train de prendre est un chemin qui va effectivement être totalement nuisible. Moi, je pense que c'est vraiment cette solution-là qu'il faut prendre et pas essayer d'avoir des mesures de rétorsion à gauche, à droite contre les Sud-Africains dans le monde entier qui eux-mêmes sont du même avis que toi et moi de dire c'est dégueulasse et il faut que ça cesse. Bien évidemment, je ne pourrais pas terminer cette vidéo sans le dire. Il y a bien évidemment là aussi un besoin d'éducation financière pour pouvoir apprendre aux Sud-Africains de ne plus s'attendre à un État providentiel qui supposément va améliorer leur vie, mais de réaliser que eux-mêmes ils ont entre leurs propres mains la solution à leurs problèmes. Et ça, clairement, il faut que ce type de discours, de message se propage en Afrique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'Investir au Pays existe aussi, pour faire comprendre aux gens qu'il faut que les choses s'améliorent en Afrique par les Africains, parce qu'ils vont prendre conscience du fait qu'ils sont des acteurs et qu'ils cessent d'être des spectateurs pour ceux qu'ils étaient encore. Je voudrais avoir ton avis sur cette thématique qui est très brûlante. Qu'est-ce que tu penses de ce que je te suggère? Et dis-moi dans les commentaires quel est ton avis, quelle est ton analyse de ce qui se passe là-bas. Et puis partage cette vidéo pour qu'un maximum de personnes soient informées de ce qui se passe, mais surtout qu'ils aient une bonne information et j'espère une bonne analyse et pas qu'ils aillent se polluer la tête en écoutant tous les médias qui racontent plein de bêtises avec juste pour but de montrer l'Afrique sous un regard négatif et de tirer bien évidemment à boulet rouge sur les Africains sans faire d'analyse pertinente pour aboutir à une solution concrète et une issue, bien évidemment, dans laquelle l'Afrique va en ressortir, grandir et davantage unie. À très bientôt sur la chaîne.